His presence is in our midst.
l'adoration dans le nom de Jésus. Thank God for the time past. Je remercie le Seigneur pour le moment qui vient de passer. Time, prayer and worship. Le moment de prière et d'adoration. Glory and honor belongs to God. Que la gloire et l'honneur appartient à Dieu. Thank you so much for the. We appreciate the worship team. Nous apprécions l'équipe de louange. They have done good service. Ils ont fait un bon service. They deserve a clap offering. Merci pour vos applaudissements. Amen. Also, thank God for the pastor. Aussi, je remercie Dieu pour le pasteur. I love the way he speaks from his heart. J'aime la façon dont il parle de son cœur. They are not things that are formulated. C'est pas des choses qui sont formulées. But he speaks from his heart. Mais il parle à partir de son cœur. So you're really blessed to have a father, not just a pastor, but a father. Alors vous êtes vraiment béni, non pas d'avoir un pasteur, mais aussi d'avoir un père. Because the word of God tells us that there are many teachers, but few fathers. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup d'enseignants, mais peu de pères. There are many instructors. Il y a beaucoup d'instructeurs, but few fathers. Mais peu de pères. The body of Christ today is short of fathers. Le corps du Christ en ce moment manque de pères. We have so many instructors. On a beaucoup d'instructeurs. We have so many teachers. On a beaucoup d'enseignants. We have many good speakers. On a beaucoup de good speakers. Des gens qui parlent pour Dieu, de la part de Dieu. Very few fathers. Mais peu de pères. So you have a father in the house. Alors vous avez un père dans la maison. Stand with him and encourage him. Vous devez vous tenir debout avec lui, l'encourager. And behind a powerful man, there's always a powerful woman. Et en arrière d'une dame, un homme puissant, il y a une femme puissante. You have also a mother in the house. Vous avez aussi une mère dans la maison. Glory to God. Gloire soit à Dieu. Glory to God. Amen. So I want to say also, I love you this evening. I want to say I love you. Je veux vous dire que je vous aime aujourd'hui. Thank you. Merci. Hallelujah. Amen. Let's pray. On va prier. Father, in Jesus' name. Seigneur, dans le nom de Jésus. We thank you for yet another day you've made. Nous te remercions pour ce jour que tu as créé. We decree that you may increase. Que tu sois élevé, qu'on soit abaissé. We ask you, Father, that your presence will overshadow this place. Nous demandons, Seigneur, que ta présence règne dans ces lieux, en ces lieux. Father, these people don't need my words. Parce que ces gens n'ont pas besoin de mes paroles. But they need your word. Mais ils ont besoin de tes paroles. These people don't need my presence. Ces personnes n'ont pas besoin de ma présence. But they need your presence. Mais ta présence. Ask you that you have your way. Je te demande que tu règnes. Let your kingdom come. Que ton règne vienne. Let your will be done. Que ta volonté soit faite. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. And everyone say amen. Que tout le monde dise amen. Yesterday, I was sharing about the importance of prayer. Hier, j'ai partagé sur l'importance de la prière. And what prayer can do. Et ce que la prière peut faire. The reason why we pray. Pourquoi nous prions. Why we pray. La raison pour laquelle on prie. We don't pray because, you know, it is a command. On prie pas parce que c'est un commandement. We don't pray because we just have to pray. On prie pas parce qu'on doit prier. There is a reason why we pray. Il y a une raison pourquoi on prie. We pray because we want to have a relationship with God. Nous prions parce qu'on veut avoir une relation avec Dieu. Nous prions parce qu'on veut avoir une relation intime avec lui. Nous prions parce que nous voulons que Dieu intervienne dans nos affaires. Nous prions aussi parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. We pray because we are hopeless. We don't have the kind of power that would intervene, would solve the problems we have. In our day-to-day life. Nous prions parce qu'on n'a pas cette puissance pour intervenir dans notre vie quotidienne. We pray because we know that there is somebody who is above everything. Nous prions parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. We pray because there is a, a, you know, a,
We have a God that is able to do exceedingly abundantly above what we ask or even imagine. Nous prions parce que nous avons un Dieu qui peut faire au-dessus et au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. We pray because God is able. Nous prions parce que Dieu est capable. We pray because whatever is impossible to man, it is possible to God. Nous prions parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. We pray because God is powerful. Nous prions parce que Dieu est puissant. We pray because God is able. Nous prions parce que Dieu est capable. We pray because God is loving. Nous prions parce que Dieu nous aime. We pray because when God is on our side, who can be against us? Nous prions parce que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? When God is on our side, quand Dieu est avec nous, nothing can be against us. Rien ne peut être contre nous. When we are sure that He's there, quand on est sûr qu'il est là, our security is safe. Notre sécurité, on est en sécurité. When we know that He's there, quand on sait qu'il est là, we know that our future is safe. Nous savons que notre futur est en sécurité. When we know that He's there, quand on sait qu'il est là, we are sure that tomorrow is safe. On est assuré que demain est en sécurité. When we know He's there, quand on sait qu'il est là, everything concerning us, tout ce qui nous concerne, we know that He's safe. Nous savons que cela est en sécurité. Prayer answers hopeless situations. La prière répond aux situations sans espoir. In times of questions, dans les moments de questionnement, in times of hopelessness, dans les moments de désespoir, prayer is the answer. La prière est la réponse. In times of confusion, dans les moments de confusion, prayer is the answer. La prière est la réponse. In times of weakness, dans les moments de faiblesse, prayer is the sure hope. La prière est notre espoir. In times of weariness, dans les moments de fatigue, de confusion, de prayer brings power. La prière amène la puissance. Because prayer, parce que la prière, it is a language that is very known in heaven. C'est un langage, c'est une langue qui est bien connue au ciel. When we call upon Him, quand on l'appelle, God hears our prayers. Le Père, Dieu entend nos prières. When we call on Him, quand on l'appelle, He is able to hear us. Il est capable de nous entendre and answer us et nous répondre in time of need. Dans le moment de besoin. In prayer, dans la prière, it is God comes down. Dieu descend. In prayer, dans la prière, causes the heaven to come down. Le ciel descend. He descends down. Il descend. And takes away every issue around us. Et prend contrôle de tout. Toutes les problèmes. So when the church begins to pray, quand une église commence à prier, heaven intervenes here on earth. Le ciel intervient ici sur terre. Prayer opens the heaven. La prière ouvre le ciel. And God comes down. Et Dieu descend. The Bible says, la Bible nous dit in Isaiah chapter 25, dans Ésaïe 25, verse 7, le verset 7. Isaiah chapter 25. Ésaïe 25, pardon. Verses 7. Le verset 7. You can read. Et sur Ésaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les péchés, la couverture qui couvre toutes les nations. The word of God tells us, la parole de Dieu nous dit, that He will destroy on this mountain the surface of the covering that casts over the people. Il anéantit le voile qui était sur le peuple. And the veil that is spread over the nations. Et la couverture qui couvre toutes les nations. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. Il anéantit la mort pour toujours. Now there is a sheet. The Bible talks of a sheet, a veil covering the earth, the nations. La Bible nous parle d'une couverture qui couvre toutes les nations. There is a covering. Et une couverture. And this covering. Et cette couverture. It is the covering of the enemy. Et c'est une couverture de l'ennemi. The enemy covers the nation. L'ennemi couvre les nations. You know, God is omnipresent. Dieu est omniprésent. But the enemy,
He is not omnipresent. Mais l'ennemi n'est pas omniprésent. He delegates authority. Il délègue des autorités. He puts, you know, he puts authority, you know, prosperities, powers, and spiritual wickedness in every place. Il établit des autorités, des puissances sur les nations. The devil cannot be in the same place at one time. Le diable ne peut pas être au même endroit à la fois. But God can be everywhere at the same time. Mais Dieu peut être partout à tout moment. You left him in your office. You left him in your home. He's here. He's everywhere. Il est omniprésent. Il est ici. Il est omniprésent. He can be everywhere at the same time. Il peut être partout à tout moment. But the devil cannot be everywhere at the same time. Mais le diable ne peut pas être partout à tout moment. He delegates authority. Il délègue des autorités. He delegates authority. Il délègue des autorités. Powers. Des puissances, spiritual wickedness, des esprits malfaisants, and the demonic hosts, and the demonic spirits, et des esprits démoniaques. So that's why the Bible says we do not wrestle against flesh and blood. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, but against principalities, mais contre les principautés. Powers. Des puissances. Spiritual wickedness. Des esprits malfaisants. And everything that tries to exalt itself above the knowledge of God. Et tout esprit qui essaie de s'élever au-dessus de la connaissance de Dieu. So now here there's a prophecy by Isaiah. Mais ici il y a une prophétie de Isaïe. He says, I will destroy. Qui dit je détruirai, j'anéantirai. On this mountain. Sur cette montagne. On this mountain of Ottawa. Sur cette montagne d'Ottawa. On this, wherever the mountain will be. Peu importe cette montagne. But God is saying, I will destroy. Mais Dieu dit, je détruirai, j'anéantirai. I will destroy every covering. J'anéantirai toute couverture. Covering over the people. Toute couverture qui est sur le peuple. Covering over the nations. Sur les nations. I will destroy. Je les détruirai. There is a covering in your community. Il y a une couverture sur votre communauté. There is a covering in your city. Il y a une couverture sur votre ville. There is a covering in your nation. Il y a une couverture sur votre nation. A covering of the enemy. Une couverture de l'ennemi. But God is saying, mais Dieu dit, that I will destroy it. J'anéantirai. I will destroy it. J'anéantirai. And after destroying it, après avoir anéanti, I remove the veil. J'enlèverai le voile. When the enemy is covering the nation, quand l'ennemi couvre les nations, when the enemy is covering your community, quand l'ennemi couvre votre communauté, there is always a veil. Il y a toujours une couverture. A veil covering the people. Et une couverture, une voile qui couvre. They cannot see the truth. Ils peuvent pas voir la vérité. They cannot see the glory of the God. Ils peuvent pas voir la puissance de Dieu. They cannot receive the gospel. Ils peuvent pas recevoir la bonne nouvelle. They cannot receive the power of God. Ils peuvent pas recevoir la puissance de Dieu. There is a veil covering them. Il y a une voile qui les couvre. But Isaiah says. Mais Isaïe dit. I will destroy. J'anéantirai. Every covering. Toute couverture. I will destroy. J'anéantirai. That shit. Cette couverture that is covering the nation, qui couvre les nations, and I wipe away all the tears. Et je vais essuyer toutes les larmes, the tears, les larmes, from the faces of men, sur les visages de l'homme, tears, les larmes, from the people, du peuple. I will remove it. Je vais en l'enlever. I wipe away. Je vais en essuyer. When this covering is covering the nations, quand cette couverture est sur les nations, it brings oppression. Ça amène une oppression. It brings oppression. Ça amène une pression. People don't feel like coming to church. Les gens n'ont pas la volonté de venir à l'église. People hate God. Les gens haïssent Dieu. People don't desire to pray. Les gens ne veulent pas prier. People don't desire to worship God. Les gens ne veulent pas adorer Dieu. People don't desire to serve God. Les gens ne désirent pas servir Because Dieu. The enemy is covering them. Parce que l'ennemi les couvre. This covering. Cette couverture. Quenches the love of God. Étouffe l'amour de Dieu. This covering. Cette couverture. Quenches the desire to serve God. Étouffe le désir.
cimetière de servir Dieu. This covering, cette couverture, quenches the passion for God. Étouffe la passion pour Dieu. But the word of God says through Isaiah. Mais la parole de Dieu dit au travers d'Ésaïe. On this mountain. Sur cette montagne. I will destroy. J'anéantirai. I will destroy. J'anéantirai. The covering. La couverture. The veil. Le voile. That is covering the people. Qui est en train de couvrir le peuple. That is covering the nation. Qui est en train de couvrir les nations. And I wipe away all the tears. Et j'essuierai toutes les larmes. People cry under these circumstances. Les gens pleurent sur mes situations. People cry under this covering. Les gens pleurent sous cette couverture. And sometimes they don't know what makes them cry. Et des fois, ils ne savent pas pourquoi ils prient. And sometimes they don't know what makes them oppressed. Et souvent, ils ne savent pas pourquoi ils sont oppressés. And sometimes they don't know what makes them, you know, heavy. Et des fois, ils ne savent pas pourquoi ils se sentent lourds. But God says, mais Dieu dit, I will destroy. Je détruirai. I will destroy. Je détruirai. Amen. In the days we are living in, dans les jours, de nos jours, God is going to raise up people. Dieu va élever des gens. He's going to raise up people. Il va élever des gens. People that are going to cry to him. Des gens qui vont crier à lui. Everywhere. Partout. In every city, dans toutes les villes, in every community, dans toutes les communautés, in different nations, dans différentes nations, there is a hunger growing. There is a hunger. Faim? Une faim? Okay. There is a hunger. Il y a une faim. Not for food. Non, ils ont faim, non pas pour la nourriture. But a hunger for God. Mais soif de Dieu. There is a hunger. Et ils ont faim. People are getting becoming hungry. People are seeking God. People are want they want more of God. Les gens veulent plus de Dieu. And these people are everywhere. Et ces gens sont partout. And these people are not known. Ces gens sont pas connus. Some are old ladies. Certains d'entre eux sont des femmes qui sont âgées. Some are young people. D'autres sont jeunes. Some of these people are not known. Certaines de ces personnes ne sont pas connues. But they are scattered. Mais ils sont éparpillés. As the passion increases, comme leur passion grandit. As the spirit of prayer increases upon their lives, autant l'esprit de prière augmente dans leur vie. You know, it will increase. Ça va augmenter. It will increase. Ça va augmenter. As it increases, et autant ça augmente. The covering will begin to be destroyed. Et la couverture va commencer à être anéantie. It will begin to be destroyed. Elle va commencer à être anéantie. And the Holy Spirit will come down. Et l'esprit du Saint-Esprit descendra. And there will be a worldwide revival. Et le réveil viendra. There will be a move of God. Il y aura un mouvement de Dieu. God is beginning to create hotspots. Tu es en train de créer des hôpitaux. Do you know hotspots? Des hôpitaux. You know, these are places where you can access internet without being connected. Wireless, no? Excusez. Tu es en train de créer des endroits de connexion. Connexion pour l'internet, des connexions. And wherever you go, you can access the internet. Et partout où tu vas, il y a une connexion. Tu peux te connecter sur internet. So these women, these young people, wherever they are. Et ces jeunes où ils sont, partout où ils sont. They are prayer. Ils sont en train de prier. They are intercession. Ils sont des intercesseurs. It's creating hotspots. Et c'est en train de créer des endroits de connexion. Everywhere. Partout. And time will come when you will be able to access the presence. Et un temps viendra où on pourra nous connecter à la présence. Accéder à sa gloire. That time is coming. Ce temps est en train d'arriver. When we pray, quand on prie, we cause hotspots. On crée des endroits de connexion. We create hotspots. Nous créons des endroits de connexion. Et on peut nous connecter à sa présence. We are able to access his power. Et on peut accéder à sa puissance, à sa présence. His love. À son amour. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. The reason why we pray. Alors la raison pour laquelle nous prions. It is for heaven to open. C'est pour que le ciel s'ouvre.
and his spirit comes down. Et que, pour que son esprit descende. And when his spirit comes down, et quand son esprit descend, there is joy. Il y a la joie. There is healing. Il y a la guérison. There is deliverance. Il y a la délivrance. There is connection once again. Il y a une connexion encore qui se rétablit. Connection with our Creator. Une connexion avec notre Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. So, the reason we pray. La raison pour laquelle on prie. Is to get connected again. C'est pour qu'on soit encore connecté. Getting connected again to our Father. Pour être connecté encore au Père. Getting connected back to our Father's heart. Pour être connecté encore au cœur de Dieu. People are crying today everywhere. Les gens sont en train de crier partout. And they don't know why they are crying. Et ils ne savent pas pourquoi ils crient. People are heavy today. Les gens se sentent lourds. And they don't know why they are heavy. Et ils ne savent pas pourquoi. We need the presence of God. On a besoin de la présence de Dieu. We need the presence of God back in the house. On a besoin que la présence de Dieu retourne dans la maison. Back in the church. Retourne dans l'église. When there is short of His presence. Quand sa présence diminue. We everything becomes a struggle. Tout devient un combat. Prayer becomes a struggle. Prier devient un combat. Studying God's word becomes a struggle. Étudier la parole de Dieu devient un combat. Worship becomes a struggle. Adorer, ça devient un combat. Everything becomes a struggle. Tout devient un combat. We need His presence. On a besoin de sa présence. We need His presence. On a besoin de sa présence. We need His presence. On a besoin de sa présence. It is His presence that makes the difference. C'est sa présence qui fait toute une différence. It is His presence that brings back the joy. C'est sa présence qui ramène la joie. The joy of serving him. La joie de le servir. The joy of walking with him. La joie de marcher avec lui. The joy of serving him. La joie de le servir. The joy of knowing him. La joie de le connaître. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué. Yesterday we were talking about the hindrances to prayer. Alors hier on a parlé de ce qui cache, ce qui nous empêche de prier. And we saw that the prayer has got enemies. Et on a vu que la prière a des ennemis. Every good thing has got enemies. Toute bonne chose a des ennemis. You know, a good government will have enemies. Un bon gouvernement a toujours des ennemis. A good family will have enemies. Une bonne famille a toujours des ennemis. A good school will have enemies. Une bonne école a toujours des ennemis. A good church will have enemies. Une bonne église aura aussi des ennemis. Everything good has got enemies. Toute bonne chose a des ennemis. Even prayer. Même la prière. Prayer has got enemies. La prière a des ennemis. The purpose for hindering us in prayer. La raison pour laquelle ces ennemis nous empêchent. That we not have access to God. C'est pour qu'on n'ait pas accès à Dieu. That we not have a healthy relationship with God. Pour qu'on n'ait pas une bonne relation avec Dieu. That we not have a good relationship with God. Une bonne relation avec Dieu. Prayer brings back that relationship. La prière ramène cette relation. Prayer brings back that intimacy. La prière ramène cette intimité. Prayer causes us to be like Him. La prière nous transforme et nous rend comme lui. We become like him. On devient comme lui. We talk like him. On parle comme lui. We begin to see things like him. On commence à voir les choses comme lui. We walk like him. On marche comme lui. It's just like when you happen comme... to hug somebody or greet somebody with a nice perfume. C'est comme quand you hug somebody Who has spread himself a nice perfume. Quand tu salues quand tu salues quelqu'un qui s'est parfumé. Uh-huh. There's no good heart for hugging. There's no good word for. Okay. Let's find someone. Okay, if you happen to greet somebody. Quand tu salues une personne. You know. You embrace him. Que tu l'embrasses.
sometimes you'll be impacted by that perfume. Des fois, tu es impacté par ce parfum. And somebody can find you, hey, you have a nice perfume. Et quelqu'un peut te dire, oh, tu as un bon parfum. And maybe you don't even have one at home. Même parfois, ça se peut que tu n'en aies même pas un à la maison. But because you greet somebody and you got that invitation. Alors, parce que tu as salué cette personne, alors tu es impacté. And you smell like him. Et tu commences à sentir comme cette personne. This is the same way when we come closer to God. Alors c'est la même chose quand on s'approche de Dieu. Yes, we partake of his nature. On est impacté par sa nature. We partake of his character. On prend ça de sa caractère, and de son caractère. We become like him. Et on devient comme lui. People begin to see Jesus in you. Les gens commencent à voir Jésus en vous. People begin to see the glory of God inside of you. Ils commencent à voir la gloire de Dieu en vous. And sometimes people want to be closer to you. Et des fois, les gens veulent se rapprocher plus de toi. Because they say there's something special on you. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Hallelujah. Amen. So, the enemies of prayer. Alors les ennemis de la prière. Is the lack of righteousness. C'est le manque de sainteté. Because sin is an enemy to God. Parce que le péché est un ennemi de Dieu. Sin separates us with God. Le péché nous sépare de Dieu. And also with one another. Et aussi de chacun, du prochain. The moment God, man sinned against God, le moment où l'homme a péché contre Dieu, he was alienated from God. Il a été éloigné de Dieu. He was separated from God. Il a été éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Enemy came in and brought confusion. Et l'ennemi est venu et a amené la confusion. And there was an enmity between man and God and an enmity between man and man. Il y a eu et la haine entre l'homme. Enmity between man and God and an enmity between man and man. Okay, il y a eu cette haine ou distance entre Dieu et l'homme et son prochain. So lack of righteousness is an enemy to prayer. Alors le manque de sainteté est un ennemi de la prière. The Bible says in James chapter 5 verse 16. La Bible nous dit dans Jacques. It says the effectual fervent prayer of a righteous man. Ça nous dit que la fervente prière d'un homme juste avails much. A beaucoup de puissance. The effectual fervent prayer. Que la prière de l'homme juste. It becomes effective because it brings results. Elle devient efficace parce que elle amène des résultats. So prayer becomes effective because it has brought results. La prière est efficace quand elle amène des résultats. Prayer becomes effective because God has answered. La prière est efficace parce que Dieu a répondu. Prayer becomes effective because God has manifested himself. La prière est considérée efficace parce que Dieu s'est manifesté. So the effectual fervent prayer of a righteous man avails much. Don't mind, just interpret. Alors la prière efficace du juste amène des résultats. That is des puissants. James chapter 5 verse 16. You can write it down. You can read it in your free time. Vous pouvez l'écrire et le lire pendant votre temps libre. James chapter 5 verse 16. Jacques chapitre 5 verset 16. The effectual fervent prayer of a righteous man. La prière fervente du juste. Avails much. A une grande efficacité. Elijah was a man like us. Élisée était un homme comme nous. But he prayed. Mais il a prié. And for 3.5 years. Et pendant 3 ans et demi. There was no rain. Il n'y avait pas de pluie. He prayed again. Il a encore prié. And there was rain. Et il y a eu de la pluie. So the effective fervent prayer of the righteous man. La prière fervente du juste. Brings the results. Amène des résultats. Any prayer that is effective must bring results. Une prière qui est efficace amène des résultats.
Any prayer that is effective must bring an answer. Une prière qui est efficace doit amener des réponses. In Uganda, we used to have a saying that pray until something happens. En Uganda, on disait souvent prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Then we used to call it push. On disait qu'il fallait pousser. You would push until something happens. Alors tu poussais jusqu'à ce que quelque chose se passe. Pray until there is a breakthrough. Tu priais jusqu'à ce qu'il y avait une réponse. Before you receive an answer, don't leave your knees. Sans avoir, tu peux pas quitter, ne quitte pas sans avoir reçu ta réponse. Before anything happens, before God answers, don't leave your knees. Avant, ne quitte pas tant que Dieu n'a pas répondu. The hindrance to our prayers. Alors, ce qui bloque nos prières, is lack of righteousness. C'est le manque de sainteté. Sin. Le péché. Hinders us to pray through into our prayer life. Le péché nous empêche de prier. Again yesterday we saw that another enemy of prayer is, you know, losing the first love. Et aussi hier on a vu que l'autre ennemi de la prière est la perte du premier amour. Losing the first love. Perdre le premier amour. Remember those days that you came to Christ. Rappelle-toi de ces jours où tu es venu, où tu venais juste de connaître Jésus. Those early years of your salvation. Tes premiers jours de salut. How you loved God. Comment tu aimais Dieu. How you desired to fellowship. Comment tu voulais avoir une relation avec lui. How you desired to serve him. Comment tu voulais le servir. Nobody was pushing you, but love was pushing you. Rien d'autre ne te poussait, ce n'était que l'amour. You never minded who is going to speak. Tu te demandais pas qui allait enseigner. You never minded who is coming to your church. Ça t'importait peu celui qui allait venir à ton église. But love was pushing you. Mais l'amour te poussait. When they talked about overnight. Quand on te parlait des veillées de prière. Love would push you. L'amour te poussait. When there was a seminar. Quand il y avait un séminaire. Love would push you. L'amour te poussait. You would not, you know, you would not mind about who is teaching, who is preaching, all that your desire was to hear God. Ça t'importait peu qui allait prêcher. Tout ce que tu voulais, c'est entendre Dieu. But today, mais aujourd'hui, you have some people you have to attend, and others you don't mind to attend. Il y a des gens que tu veux qui soient là et d'autres que tu veux pas qu'ils soient là. That is a sign showing that God is drawing down, it's going down. Cela est un signe qui te montre que l'amour pour Dieu est en train de descendre. You are losing the love, the first love. Tu es en train de perdre ton premier amour. You have some people you want to listen to, and others you don't have to listen to. Tu as des gens que tu veux écouter et d'autres que tu veux pas écouter. It is a sign. C'est un signe. Some people today are no longer coming to church. They are fellowshipping with internet. They are, you know, they have preachers on internet and TV. Certaines personnes aujourd'hui ne viennent même pas à l'église. Ils ont des prédicateurs qu'ils écoutent sur internet. Forgetting the word of God, which is never stop fellowshipping. Et oublions la parole de Dieu qui dit que de ne pas oublier de nous réunir. Coming together. De nous réunir. The early church was founded on fellowship. L'église première était fondée sur l'assemblée. They used to fellowship. Ils se réunissaient. They used to share bread and break bread. Ils partageaient le pain. The word of God. La parole de Dieu. Worship. Ils adoraient. Fellowship. Communion. Et communier. That was the foundation of the early church. Ça c'était la fondation de l'église primitive. Today people are fellowshipping with their internet, with their TV, with their they have their pastors who are on a distance. Aujourd'hui les gens ont cette relation avec les gens qui sont sur internet, qui sont à distance. Losing the first love. Perdant le premier amour. Losing the first love. Oubliant le premier amour. I have been in ministry. For 13 years. J'ai été en ministère pendant
13 ans. I got saved when I was 19 years. J'ai été sauvé quand j'avais 19 ans. Actually, my years of ministry and my years in marriage are equal. En fait, je dirais que mes années de mariage et mes années dans le ministère sont égaux. So I have seen a lot of things in the church. Alors j'ai vu beaucoup de choses dans l'église. I have seen a lot of things in ministry. J'ai vu beaucoup de choses dans les ministères. And everything that I've seen, I thank God. Et je remercie le Seigneur pour tout ce que j'ai vu. Because they teach me a lot. Parce qu'ils m'ont enseigné beaucoup. And sometimes I'm not diverted because of the certain things I see. Et des fois je suis pas diversifié à cause des choses que je vois. You know, there are many preachers who have been deceived. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont été especially déraillés. Maybe they've been invited to minister somewhere. Ils ont été invités quelque part pour donner la parole. Just like I'm here. Comme je suis ici. And now everybody begins to love me. Et tout d'un coup, tout le monde commence à m'aimer. Everybody begins to say, "You must be here. You must come here." Et tout le monde, tout d'un coup, commence à t'inviter par-ci, par-là. Tu dois venir ici. You must live here. You must start with us here. Et tu dois rester ici avec nous. And there are many who have been deceived like that. Et il y a beaucoup qui ont déraillé à cause de ça. Because they thought, you know, people love them and they have to stay where God wanted them to be there for a short time. Et ils ont pensé que parce que les gens les aiment, ils doivent rester là. Let me tell you, there is what they call the visiting anointing. Parce que je veux vous dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'onction de la visite. And there is also what they call the resident anointing. Et il y a aussi l'onction de la résidence. If God calls you in a place, si Dieu t'appelle à un endroit, He will give you the resident anointing. Il te donnera l'onction de résider. People l'onction de résidence. God will bring people. Dieu amènera des gens. God will give you the acceptance. Et Dieu te fera que tu sois accepté. God will give you the grace to persevere all the challenges. Et Dieu te donnera la grâce de persévérer dans tous les défis. But if God has not called you to be a resident in a particular place. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à être un résident à un endroit particulier. And you are moved to be carried away by that first, you know, reception people have received you. Et tu es touché par le fait que les gens t'ont reçu. Oh, you are going to end your ministry in a miserable way. Je te dis que ton ministère va s'arrêter de façon misérable. You know, in some of our missionary training, somebody used to teach us that there's a principle in the ministry which tells you that you must go and give and leave. On nous a appris que tu dois, dans le ministère, on nous a appris que tu dois aller, donner et quitter. One time, Paul, after ministering, I think, Ephesus, people loved him and said, "Oh, please stay here, stay here." Un jour, Paul, après avoir prêché aux Éphésiens, ils lui ont demandé, « Oh, s'il te plaît, reste ici. » Il leur a dit, « Je dois partir. » Gardez vos cœurs. Be aware of what that will come after us. Sois éveillé de ce qui viendra après nous. Who will come to deceive you? Des gens qui viendront pour vous faire dérailler. Who will come to take away what you received? Des gens qui viendront pour vous arracher de ce que vous avez reçu. So when you are in the right place. Alors quand tu es au bon endroit. In the right time. Au bon moment. You will see the grace. Tu auras la grâce. So enemies of prayer. Alors les ennemis de la prière. Losing the first love. L'autre ennemi de la prière est la perte du premier amour. And begin to be taken up by other things. Et prendre autre chose. Being taken over by the circumstances. Et être plus intéressé par les circonstances. You are overtaken by success. Tu es plus intéressé par le succès. You have been overtaken by different things. Et d'autres choses viennent et t'envahissent. Today. Aujourd'hui. There are many people. Il y a beaucoup de gens. When they were still young, quand ils étaient encore jeunes. When they were still early, you know, the early years of their salvation. Au tout début de leur du salut, de leur conversion. They used to love God.
Ils aimaient Dieu. They used to be passionate for God. Ils étaient passionnés pour Dieu. They used to desire to be in the presence of God. Ils désiraient être dans la présence de Dieu. And as they sought the Lord, et en cherchant Dieu, God began to give them some benefits. Dieu a commencé à leur donner certains bénéfices. God began to give them initial blessings. Dieu a commencé à leur donner des bénédictions initiales. You know, when we pray, quand on prie, and we are seeking God, et qu'on cherche Dieu, and we are loving God, et qu'on aime Dieu, because our God is a loving God, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. He is our Father. Il est notre Père. He begins to give us initial blessings. Il commence à nous donner des bénédictions, je dirais, initiales. You know, initials like, you know, giving a nice wife. En te donnant une belle femme, a good husband, un bon mari, a good job, un bon emploi, you know, a promotion somewhere, une promotion quelque part, you know, a scholarship, une bourse, you know, different things, différentes choses. But many of us, mais beaucoup d'entre nous, those initial blessings, ces bénédictions initiales, they take us away from God. Nous éloignent de Dieu. They, you know, we get stuck on those blessings. Et on est bloqué par ces bénédictions. And we lose the first love. Et on perd ce premier amour. When Abraham was waiting upon the Lord for his promise. Quand Abraham attendait Dieu pour la promesse qu'il avait faite. Because God had told him you're going to become a father of nations. Parce que Dieu lui avait dit qu'il allait être le père des milliers. And you have beaucoup de nations. You have many children. Et tu auras beaucoup, beaucoup d'enfants. You know, you waited upon the Lord for the time of becoming aging. Il a attendu après Dieu jusqu'à ce que les années ont commencé à s'accumuler. God gave him a child. Dieu lui a donné un enfant. A promised child. L'enfant promis. But he was not stuck on that child. Mais il n'était pas collé sur cette promesse. Even when God tested him, please give me your son as a sacrifice. Même quand Dieu lui a demandé d'offrir son enfant comme un sacrifice. Abraham was willing to give him his only child. Abraham était prêt à donner à Dieu son fils unique. He was not stuck on the initial blessing. Il n'était pas collé sur cette bénédiction. He remained initiale. A friend of God. Il est resté l'ami de Dieu. He remained faithful to the covenant. Il est resté fidèle. Even when there à l'alliance. There were problems in Sodom and Gomorrah. Et même quand il y avait des problèmes dans Sodome et Gomorrhe. And God spoke to him. Et Dieu lui a parlé. And said, you know, can I hide anything from my friend Abraham? Dieu a dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à mon ami Abraham? And he told him, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah because of this and that. Et Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe pour ceci et pour cela. Abraham began to plead with God. Abraham a commencé à prier, à demander à and Dieu. He asked the Lord, et il l'a demandé à Dieu. Will you destroy even the righteous? Est-ce que tu vas détruire même les justes? God said, I will not destroy the any righteous in Sodom. Et Dieu lui a dit, je détruirai aucun juste dans Sodome et Gomorrhe. He began to plead. Et il a commencé à prier. Et si tu trouves 50 personnes, will you destroy? Est-ce que tu vas détruire? If you find 20 people. Si tu trouves 25 justes. So, in spite of the initial blessings. Même s'il avait reçu une bénédiction initiale. In spite of the success in ministry he had. Même s'il avait eu beaucoup de succès. He didn't leave the place of prayer. Il n'a pas quitté la place de la prière. He didn't lose the first love. Il n'a pas perdu le premier amour. He remained a friend of God. Il est resté l'ami de Dieu. He remained an obedient servant of God. Il est resté le serviteur obéissant. Losing the first love. Perdre le premier amour. It is an enemy to our prayer life. Est un ennemi de notre vie de prière. We lose our prayer lives. On perd notre vie de prière. When we come to pray, quand on vient prier, we get short of words. On commence à perdre des paroles, à manquer de paroles. It is like we have never prayed. C'est comme si on n'avait jamais prié. You begin to seek, you know, begin to wait on God. Tu commences à attendre après Dieu. You feel you're like a baby, you can't even speak words. Et tu te sens comme un bébé, tu ne peux même pas parler. In normal discussions. Dans des discussions normales. You are very eloquent and very sharp. tu es vraiment éloquent. But when it comes to prayer, mais quand ça arrive au moment de prière, you can't even utter two words. Tu ne peux pas même prononcer deux paroles. Because you have lost the first
love. Parce que tu as perdu le premier amour. Losing the first love is an enemy to our prayer lives. La perte du premier amour est un ennemi de notre vie de prière. Revelation chapter 2. Apocalypse chapitre 2. From verses 1. Verset 1. To the angel of the church of Ephesus write, these things says he who holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have preserved and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works. All else, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. This is from this is Revelation chapter 2 from verses 1. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. To verse 7. Jusqu'au verset 7. This was John. Ça c'était Jean. John in when he was on the island of Patmos. Quand il était sur l'île de Patmos. You know, most of these apostles went through a lot of things. Beaucoup de ces apôtres sont passés au travers de beaucoup de choses. Now, John on the island of Patmos. Alors Jean sur l'île de Patmos. He was alone there. Il était seul. After being persecuted. Après avoir été persécuté. After being beaten. Après avoir été battu. He was thrown on this island. Il a été envoyé sur cette île. And he was alone. Il était seul. And he was alone there. Et il était seul. And the Spirit of God began to minister to him. Et l'Esprit de Dieu lui a commencé à lui parler. Showing him different churches. Lui montrant différentes églises. And this church in Ephesus. Et cette église à Éphèse had very, some good qualities. Avait quelques qualités. They were very perseverant. Ils étaient persévérants. They would not bear evil. Ils détestaient le mal. They had a spirit of discernment. Ils avaient l'esprit de discernement. They would discern those who are true apostles and who are not. Ils pouvaient discerner ceux qui étaient des vrais apôtres et ceux qui ne l'étaient pas. You know, they had some good qualities. Ils avaient des bonnes qualités. But God had something against them. Mais Dieu avait quelque chose contre eux. Said that you have lost your first love. Que tu as perdu ton premier amour. You have lost your first love. Tu as perdu ton premier amour. And he was telling them, please get back your first love. Et il leur a demandé, s'il vous plaît, retournez à votre premier amour. Repent. Répentez-vous. You know, we don't just go back to our first love. You know, it's a process. On ne va pas directement à notre premier amour. C'est un processus. He said, repent. Répentez-vous. Do the first works. Faisiez les premières œuvres. Before I come and remove my lampstand. Avant que je vienne et que j'enlève mon chandelier. Losing the first love. Perdre le premier amour. Affects our prayer lives. La perte du premier amour affecte notre vie de prière. God is calling us to our first love. Dieu nous appelle à notre premier amour. Loving him again. L'aimer encore. Doing the first works. Faire les premières œuvres. Accomplir les premières œuvres. Doing the things we used to do. Faire les choses pratiquer les choses qu'on était habitué à faire. Being pushed by love. Être poussé par l'amour. Serving God because you love him. Servir Dieu parce que tu l'aimes. Coming to church because you love him. Venir à l'église parce que tu l'aimes. Doing ministry because you love him. Servir dans le ministère parce que tu l'aimes. That will
impact your prayer life once again. Cela va avoir un effet sur ta vie de prière encore. To resurrect that prayer life in your life again. Ça va ressusciter cette vie de prière. And you'll begin to enjoy prayer. Et tu vas commencer à te réjouir dans la prière. You'll begin to desire prayer. Tu vas commencer à désirer de prier. You'll begin to commune with God. Tu vas commencer à communier, à avoir une relation avec Dieu. Tu vas encore avoir cette relation intime avec lui. All we need, tout ce que nous avons besoin, it is him. C'est lui. When we have him, quand on l'a, we have everything. On a tout. When we have him, quand on l'a, healing is our benefit. La guérison est notre bénéfice. When we have him, quand on l'a, deliverance is our benefit. La délivrance est notre bénéfice. When we have him, quand on l'a, prosperity, la prospérité becomes our benefit. Est notre bénéfice. Security, la sécurité becomes our benefit. Devient notre bénéfice. Bible says, praise the Lord, all my soul. La Bible dit, louez l'Éternel, ô mon âme. And all that within me. Et que tout ce qui est en moi. Praise his holy name. Loue son saint nom. Forget not all your benefits. Et n'oublie pas ses bienfaits. He has forgiven all our iniquities. Il a pardonné toutes tes iniquités. He is the Lord who has forgiven us all our iniquities. C'est le Dieu qui nous a pardonné de tous nos iniquités. He is the Lord who has healed us all our diseases. C'est le Dieu qui nous a guéri de toute maladie. He is the Lord who has surrounded us with mercies. C'est le Dieu qui nous a couvert de grâce. So David knew the secret of being with him. Alors David connaissait le secret d'être avec lui. And he would command his soul to praise the Lord. Et il nous commande tous de louer Dieu. He would command his soul to praise the Lord. Il nous commande de louer Dieu. He would command his soul to seek him. Et il nous commande de le chercher. Hallelujah. Amen. There comes a time in prayer. Il y a un temps dans la prière. When you will begin to seek him. Où tu commences à le chercher. We are not seeking the benefits. Tu ne cherches pas ses bienfaits. We are not seeking, you know, the benefits. Tu ne cherches pas tes bénéfices. But seeking the benefactor. Mais tu cherches le bénéficateur. Seeking, not seeking healing, but seeking the healer. Mais chercher le guérisseur. Not seeking prosperity, but seeking the one who brings prosperity. Non pas chercher la prospérité, mais celui qui donne la prospérité. Not seek delivery, but seek the deliverer. Non pas chercher la délivrance, mais chercher celui qui délivre. When we have him, quand on l'a, we have everything. On a tout. Amen. Amen. When we have him, quand on l'a, we have everything. On a tout. Hallelujah. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Losing the first love. La perte du premier amour. It's a very, it affects our prayer lives. Affecte notre vie de prière. It affects our communion. Ça affecte notre communion. It affects our fellowship. Et ça affecte notre relation. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Another thing. L'autre chose that affects our prayer lives, qui affecte notre vie de prière is unforgiveness. C'est le manque de pardon. Unforgiveness. Le manque de pardon. And wandering thoughts. Et des pensées qui you know, our thoughts wandering. Nos pensées qui se questionnent. It's like you are here in the church. C'est comme si tu étais ici à l'église. But your thoughts are back home. Mais tes pensées sont à la maison. Your thoughts have gone back in your fridges, in your cupboards, in your. Tes pensées sont dans ton frigo, dans. You know, wandering thoughts. Des pensées qui se promènent. Wandering around. Se promener. That is why we need to command everything. C'est pourquoi des pensées qui vagabondent. C'est pourquoi on doit to seek God. Chercher Dieu. To seek him. Chercher Dieu. To seek his presence. Chercher sa présence. To seek his love. Chercher son amour. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Seeking him. Le chercher. Not seeking the benefits. Non pas chercher les bénéfices. Seeking him. Le chercher. Not just seeking healing.
Et non pas seulement chercher la guérison, but seeking the healer. Mais chercher le guérisseur. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Let me end up with this thing. One of the things that can hinder again our prayer life to be effective. Je vais terminer avec ceci. D'autres choses qui peut aussi bloquer notre vie de prière. It is the improper relationship. C'est la relation inappropriée. With our spouses. Avec nos époux. With our children. Avec nos enfants. With our friends. Avec nos amis. You know, that improper relationship. Cette relation inappropriée. That can affect our prayer life. Cela peut affecter notre vie de prière. Hallelujah. Amen. So we must have a healthy relationship. On doit avoir une relation santé. Des relations santé. With our spouse. Une relation santé avec nos époux. Relationship between wife and husband. Une relation en santé entre l'homme et la femme. Our friends. Avec nos amis. Our brothers and sisters. Frères et sœurs. Wherever we are. Partout où on est. We must persevere. On doit persévérer. We must work. On doit travailler. Towards our relationships. Sur nos relations. Paul says, try to live in peace with everybody. Paul dit, essayez de vivre en paix avec toute personne. We must persevere to live in peace, in harmony with one another. On doit persévérer et chercher à vivre en harmonie avec notre prochain. We must work hard. On doit travailler fort. It doesn't mean it's easy. Ça ne veut pas dire que c'est facile. But we must determine. Mais on doit être déterminé. To live in peace with one another. De vivre en paix avec notre prochain. To have a good healthy relationship between our spouses. Avoir une relation en santé avec nos époux. You know, overcoming distractions. Distractions. Les distractions. Overcoming distractions. Overcoming distractions. Within our family members. Les distractions, combattre les distractions avec les gens de nos familles. You know, there are always distractions that can always affect our prayer lives. Il y a toujours des distractions qui affectent notre vie de prière. For example, you purpose to pray at home. Par exemple, tu as pris la résolution de prier à la maison. There is a time you purpose to seek the Lord. Il y a un temps que tu veux chercher Dieu. And all of a sudden, as you plan to pray, alors tout d'un coup, quand tu planifies de prier, somebody tunes in a radio. Quelqu'un allume la radio. Or the television. Ou la télé. And it puts a big sound. Et ça pousse un grand cri, un son, volume. 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 That is distraction. Ça, c'est une distraction. Sometimes you purpose to pray. Des fois, tu planifies de prier. Somebody calls. Quelqu'un appelle. You go to receive a phone call. Et tu reçois un appel. That is distraction. C'est une distraction. Sometimes your purpose to pray. Des fois tu veux prier. And people you're staying with, maybe your friends, your relatives. Les gens avec qui tu vis, peut-être tes amis ou bien un membre de ta famille. They begin conversations. Tu commences des conversations. And you are attracted to that conversation. Et tu es attiré à cette conversation. That is distraction. Ça, c'est une distraction. As children of God, alors, en tant qu'enfant de Dieu, if you purpose to seek God in prayer, alors si tu prends la résolution de chercher Dieu dans la prière, tu dois premièrement être déterminé dans tes pensées. And know that the God you're going to seek. Et en sachant que le Dieu que tu vas chercher, c'est pas ton frère. C'est pas ta sœur. Neither your president. C'est pas ton président. Not even the prime minister. Non, pas le premier ministre. He is bigger than bigger. Il est grand. Il est plus grand. He is a great God. C'est un Dieu puissant. He deserves honor. Il est digne d'honneur. He deserves respect. Il est digne de respect. He deserves reverence. Il est digne de révérence. So you must make sure that everything that will distract your conversation you must get rid of it. Alors tu dois t'assurer que toute chose qui peut distraire votre conversation soit enlevée. And have an ample time with him. Et avoir un temps avec lui. Overcome distractions. Conquérir les distractions. Don't familiar God.
ne te familiarise pas avec Dieu. Because familiarity causes, you know, affects our prayer lives. Parce que la familiarité affecte notre vie de prière. God deserves honor. Dieu est digne de d'honneur. Deserves respect. Digne de respect. Deserves reverence. Digne de révérence. Switch off your television. Éteignez vos télés. Switch off your phone or put them on silence. Éteignez vos téléphones ou bien mettez-les sur silencieux. Avoid unprogrammed visitors. T'éloignez, empêchez les visites improvisées. Qui sont les improvisées? Improviser. Yeah, people come, you know, and program. You didn't plan. You know. Des gens qui viennent sans s'annoncer, sans rendez-vous. Vous avez compris. All those things. Toutes ces choses. The enemy uses them. L'ennemi les utilise. To hinder you to have an effective prayer life. Pour t'empêcher d'avoir une vie de prière efficace. So we can go on and on. Alors, on peut aller et continuer. I just want to challenge your life. Alors, je veux défier ta vie aujourd'hui. I want to challenge you. Je vais te défier. Begin to seek God. Commence à chercher Dieu. When he is still to be found. Quand il est encore trouvable. God is not very far from us. Dieu n'est pas tellement éloigné de nous. If we purpose to seek him, si on prend la résolution de le chercher, we shall find him. On le trouvera. When we purpose from our hearts, quand on décide dans notre cœur to seek him, de chercher, we shall find him. On le trouvera. And when we find him, et quand on le trouvera, our lives will be transformed. Nos vies seront transformées. Our lives will be changed. Nos vies seront changées. And we shall begin to be accomplished in our own calling. Et on commencera à être accompli dans notre appel. We shall be accomplished in this journey of salvation. On sera accompli sur ce voyage de salut. And we shall become overcomers. Et on va overcoming. That we shall, shall overcome. We shall defeat. On sera vainqueur. Because the Bible says, "He overcomes." Parce que la Bible dit que celui qui vaincra. He shall eat on the tree in the garden in the paradise. Il mangera sur l'arbre dans le jardin du paradis. The salvation you have is a salvation that helps you to overcome. Le salut que tu as est un salut qui va t'aider à conquérir. We are here to overcome. On est ici pour conquérir. You are in the kingdom of God to overcome. Tu es dans le royaume de Dieu pour conquérir. We are here to overcome. On est ici pour conquérir. And when God is on our side, et quand Dieu est de notre côté, nothing will be against us. Rien ne peut être contre nous. Nothing will be against you. Rien ne pourra tenir devant not toi. By power, ce n'est pas par la puissance, mighty, ce n'est pas par la puissance, by the Spirit of God. Mais par l'Esprit de Dieu. Tonight, ou ce soir, I want us to have a time of prayer. Je veux qu'on ait un moment de prière. And you are going to hold the hands of your neighbor. Et tu vas tenir la main de ton voisin. And you are going to pray for him. Et tu vas prier pour cette personne. And you are going to ask the Lord, et tu vas demander au Seigneur if you can use anything, si tu peux utiliser une chose, quelque chose. Use my sister. Si tu peux utiliser quelqu'un, tu utilises mon frère. Use my brother. Ma sœur. If you can use a stone. Si tu peux utiliser une pierre. Use my sister. Utilise ma sœur. If you can use a donkey. Si tu peux utiliser une âne. Oh, you can use my sister. Tu peux utiliser ma sœur. Use him. Utilise. To make a difference. Utilise-la pour faire une différence. In his generation. Dans cette génération. In his time. Dans ce temps. God wants to use everybody. Dieu veut utiliser toute personne. He is not a respect of persons. Il ne respecte pas une personne, il ne regarde pas une personne. He doesn't show partiality among us. Il n'est pas, c'est pas un Dieu impartial. But everyone in every nation. Mais tout le monde dans chaque nation, those, chaque personne dans chaque those nation. Those who fear him. Ceux qui ont craint. He accepts them. Il les accepte. Ceux qui le craignent, il les accepte. So when we learn to obey him, quand on apprend à lui obéir, honor him,
à l'honorer, seek him, à le chercher, he is going to accept us. Il va nous accepter. And he's going to use us. Et il va nous utiliser. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. So get those hands of your neighbor. Alors prenez la main de ton voisin. You are going to pray for him. Tu vas prier pour lui. You are going to intercede for him. Tu vas intercéder pour lui. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. De louange. You are worthy of praise. Tu es digne de louange. You are worthy, Jesus. Tu es digne, Jésus. You are worthy. Tu es digne. You are worthy. Tu es digne. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. We bless your name. Nous bénissons ton nom. Because your word is powerful. Parce que ta parole est puissante. Your word is able. Ta parole est capable. Your word is able to accomplish. Ta parole est capable pour accomplir. All that you sent it for. Ce que tu l'as envoyé. Father, you've sent your word in this place. Tu as envoyé ta parole dans cette maison. Lord, accomplish your word. Seigneur, accomplis ta parole. In the lives of your children. Dans la vie de tes enfants. Father, we've been talking about prayer. Père, nous avons parlé de prière. We don't know how to pray. On ne sait pas comment prier. We don't know how to seek you. On ne sait pas comment te chercher. We don't know how to wait on you. On ne sait pas comment t'attendre. Teach us how to pray. Enseigne-nous comment prier. Teach us how to pray. Enseigne-nous comment prier. Oh, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Even the disciples asked you, Jesus. Même les disciples Jésus t'ont demandé. John taught his disciples how to pray. Tandis Jean a enseigné ses apôtres comment prier. And he asked you to teach them how to pray. Ils t'ont demandé de les enseigner comment prier. Teach us how to pray, like John taught his disciples. Enseigne-nous comment prier comme Jean a appris à ses disciples comment prier. And you say you should pray like this. Et tu as dit, on doit prier. Our Father who art in heaven. Notre Père qui es aux cieux. Allow be your name. Que ton nom soit sanctifié. Thy kingdom come. Thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. But deliver us from evil. The power, the glory are yours. And now and forever. Father, we pray. Seigneur, nous prions. Teach your children how to pray. Tu enseignes, Seigneur, tes enfants. You will teach us how to pray. Tu nous enseignes comment prier. Father, you are able. Seigneur, tu es capable. Father, you are able. Seigneur, tu es capable. To do. De faire. Exceedingly. Au-delà. Abundantly. Au-dessus. Above. Au-dessus. What do we ask or even imagine? Penser ou demander. Father, you are able to use my sisters. Seigneur, tu es capable de. You are able to use my brothers. Tu es capable d'utiliser. You are able to use this church. Tu es capable d'utiliser. You are able to use this fellowship. You are able to use my sister. Father, in the name of Jesus. Use the Lord for your glory. If you can use anything, use the Lord. Lord, send your spirit. Anoint her with the spirit of prayer. Upon her.
Seigneur de nous cure. Give my holy life. Une vie sainte. Father, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, use my sister. Utilise ma sœur. Use her life. Utilise sa vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh God, I pray for an impartation. Seigneur, je prie pour une impartation. Upon her life. Sur sa vie. The anointing of prayer. Une onction de prière. The anointing of supplication. Une onction de sacrifice. The anointing of waiting upon the Lord. Pour attendre auprès de toi. Bible says. Do it, Lord. Fais-le, Dieu. Do it, Lord. Fais-le, Seigneur. 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 Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jésus. Jesus. Oh, Jésus. Jesus. Oh, Jesus. Why don't you just surrender your heart to God? Just surrender your heart to God right now. Donne ton cœur à Dieu maintenant. And just soumets ton cœur à Dieu maintenant. Fall in love with Him. Et tombe en amour avec lui. May God have an encounter with you tonight. Que Dieu te rencontre aujourd'hui. May God minister to your heart tonight. Que Dieu parle à ton cœur aujourd'hui. Talk to Him and tell Him how much you love Him. Parle-lui, dis-lui combien tu l'aimes. Talk to Him and tell Him how much you desire for Him. Et parle-lui, dis-lui combien tu le désires. Have an intimate relationship with Him once again. Aie une relation intime avec lui encore. God is not looking for workers. Dieu ne cherche pas des travailleurs. God is not looking for workers. Dieu ne cherche pas des travailleurs. He is looking for lovers. Il cherche des gens. He is looking for lovers. Il cherche des gens. Will you become the love of God tonight? Est-ce que tu veux, tu vas Are you going to become a lover of God tonight? Est-ce que tu vas devenir l'amoureux de Dieu? Fall in love with Him. Tombe en amour. Fall in love with the Holy Spirit. Tombe en amour avec le Saint. He is not very far from you. Il n'est pas loin de toi. Jesus.